Salut à tous, c'est Aquasis. Aujourd'hui, c'est vendredi, Pokémon Black and White 2 est sorti, pour ma part il va me falloir attendre lundi avant de le recevoir, mais ce n'est pas bien grave, je suis très content qu'il soit sorti et j'ai hâte de mettre ma main dessus. Comme vous le savez peut-être, j'ai déjà parlé souvent des versions Pokémon, n'importe quelle vidéo, hein, que ce soit Pokémon Jam, etc. Mais je n'ai jamais expliqué le pourquoi du comment j'aimais telle ou telle version et pourquoi je ne les aimais pas. Et je trouve que quand même, il est quand même bon d'en parler, et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire mon top 5 personnel des versions Pokémon. Alors attention, je ne parlerai que des versions originales, pas des remakes, parce que sinon c'est trop facile. Aussi, je rappelle que c'est un avis personnel, mon expérience, mon vécu, c'est pas la peine de me spammer en disant « Oui, mais comment t'as pu mettre cette version-là avant celle-là? Non, mais c'est n'importe quoi, trop lolol !» Ben non, c'est mon avis, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Pas parce qu'on va me spammer que mon avis va changer. Voici donc mon top 5 des versions Pokémon. On commence avec le fond du fond, Pokémon Diamant et Perle. J'ai absolument détesté cette version. Je pense qu'ils ont voulu trop faire une génération basée avec des graphismes magnifiques plutôt que de se concentrer sur le jeu. Et au final, ça a été une daube impressionnante. La région est un foutoir absolument innommable, surtout avec sa grosse montagne au milieu. Ça m'a énervé au possible. La génération a été franchement ratée à mon goût, à part deux Pokémon, je pense que voilà, Riolu et Lucario, moi je les adore. Mais ce sont les seuls. Les starters étaient vraiment... je vais même pas en parler. Bref, pour moi, ce jeu était un bide intersidéral. Même les personnages étaient absolument inintéressants, vides et creux. Il n'y a que Cynthia qui, à la limite, avait un minimum de classe, mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à redire. Très 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 loin au-dessus, en 4ème position, il faut savoir que pour moi 4 et 5, c'est-à-dire 5 c'est le fond des toilettes, 4 c'est le plafond, vous avez Pokémon version rouge et bleu. Alors évidemment c'est une excellente version, hein, c'est très cohérent, que ce soit, enfin quand je parle au niveau de la région, l'histoire est très simple mais c'était le premier donc on peut pas vraiment juger avec le recul, moi ça m'a bien plu, mais voilà, c'est tout. Ça m'a plu, c'était très bien, c'était un très bon jeu, je me suis beaucoup amusé dessus, mais ce n'est pas pour moi la meilleure version. Il faut quand même savoir que... 150 Pokémon, c'était pas beaucoup. C'était la première fois, et pourtant Dieu sait qu'ils avaient prévu d'en faire plus. Hein. L'apparition de Ho-Oh, par exemple, dans le dessin animé de la première saison, était une preuve qu'ils avaient déjà beaucoup de Pokémon en stock. Ils en ont mis que 150. Pourquoi? Je ne sais pas. La raison est telle qu'au final, c'est pas très intéressant. Malgré tout, ça restait un très bon jeu et je me suis beaucoup amusé dessus. En troisième position, Pokémon version Ruby et Saphir. Je me rappelle que c'était le tout premier jeu Pokémon que j'achetais avec mon argent de poche, étant donné que j'étais trop jeune au-delà pour pouvoir me les acheter. Je n'avais pas encore d'argent de poche. Pour moi, ça a été un truc absolument incroyable. C'était coloré, c'était beau, c'était génial. La génération était très très bien, hein, que ce soit pas uniquement au niveau des starters, mais la génération elle-même était super. La map était intéressante, il y avait des personnages sympathiques. Franchement, voilà, c'était un très bon jeu, il n'y a rien à redire. En seconde position pour moi, ce sera Pokémon version noir et blanc. Pokémon version noir et blanc, j'ai pris un plaisir, mais de psychopathe là-dessus. C'était impressionnant. La région était magnifique. Bon, les Pokémon sont... on est d'accord, ils sont pas sensationnels, mais ils sont déjà beaucoup mieux que ceux de la 4ème génération. Toutes les villes sont belles, et surtout le scénario, il est mature. Les personnages ont une vraie psychologie derrière, ils sont attachants, comme N par exemple, qui relance des débats philosophiques, comme par exemple, faut-il lutter contre la force de l'idéal, ou pour rendre la réalité meilleure. C'est vraiment un Pokémon qui vraiment vaut la peine, et j'espère vraiment qu'on va retrouver ça dans Pokémon Noir et Blanc 2, même si, pour l'instant, d'après ce que j'en ai vu, ça va être le cas. La seule chose qui ne me fait pas le mettre en premier, ce sont ces trois villes-là. Vous les voyez? J'ai nommé Entrelasc, Vaguelon et la Forêt Blanche ou la Forêt... la Forêt Blanche, pardon, ou la Ville Noire, selon la version. Ces trois villes sont absolument inutiles. Il n'y a rien dedans. Elles sont chiantes. À la limite, oui, bon, d'accord. Moi, personnellement, j'ai eu la version blanche, parce que je voulais Zekrom. Et dans la Forêt Blanche, à la limite, il y avait plein de petits Pokémon supplémentaires à capturer. Après, vous aviez Vaguelon. Vous pouviez vous battre contre Cynthia, la championne de la Ligue de la 4ème génération. Seul personnage intéressant dans le jeu, selon moi. À l'infini, vous pouviez la rebattre autant de fois que vous vouliez. En plus, vous aviez la baie Vaguelon. Et entre Lask, si vous alliez au nord, vous aviez la grotte cyclopéenne avec le Pokémon légendaire. Mais c'est tout! Elles sont vides. Je me rappelle la première fois que j'ai exploré cet endroit, je l'ai traversé comme ça, sans rien.
Voilà, j'ai traversé pour pouvoir avoir les points de téléportation avec la capacité vol. Je suis même pas attardé dessus, c'était ennuyant. Donc, selon moi, c'est la seule chose qui le relègue à la seconde place. Et enfin pour moi, le top du top, la meilleure version, Pokémon version or et argent. Pour moi, ça a été la première fois que j'ai touché une explosion, une aventure. J'étais là sur ma petite Game Boy Color, je ne l'ai plus lâché. C'était merveilleux. Les nouveaux Pokémon étaient tous fantastiques. Il y avait des couleurs, il y avait des nouvelles animations. C'était un truc incroyable à l'époque. Vous n'avez pas idée. En plus, la nouvelle région, très cohérente, très sympathique. Vous finissiez le jeu, vous pouviez retourner à Kanto 2 ans plus tard et vous refaire 8 champions en plus. Soit 16 arènes dans le jeu. C'est de la rejouabilité, mais en puissance. Aucune version n'a refait ça depuis. Et c'est vraiment dommage, parce que je dis, regardez, vous vous retrouvez, vous avez 2 régions pour le prix d'une. C'était juste génial. Donc pour moi, il n'y a pas à chier, Pokémon version or et argent sont le top. Évidemment, si on parle de Pokémon version noir et blanche, on va avoir maintenant ce qu'on appelle la ligue des... Enfin, je crois que ça... on peut appeler ça une ligue des champions, entre guillemets, car on va pouvoir se rebattre contre tous les champions d'arène, mais aussi tous les champions de ligue de toutes les versions. Ça va être un gros truc, on va même pouvoir se battre contre Red et Blue, ce truc de malade. J'espère juste que ce sera sympa, mais ça reste trop restrictif, c'est-à-dire c'est vraiment dans le cadre de l'arène et d'un tournoi, c'est-à-dire Pokémon du niveau 50 enfermé en 3 contre 3. Alors que là, dans la version Johto, c'était vraiment les vrais champions dans les vraies arènes, c'était, et encore avec beaucoup d'exploration. Bref, un bon jeu et puis c'est tout. Et nous arrivons au terme de notre Poké Week. Évidemment, pour cette présentation, enfin plutôt sur ce top 5, j'aurais pu évidemment parler des spin-offs, comme par exemple Pokémon Donjon Mystère, Pokémon Ranger, mais ça aurait été beaucoup trop long et j'aurais dû faire un top 10. Chose que je pourrais faire d'ailleurs, mais je n'ai pas suffisamment de temps. Et honnêtement, Pokémon, ça reste les versions de base. Après, je ne dis pas, par exemple, Pokémon... Mystery Dungeon 3, j'ai adoré, l'histoire était géniale, je me suis éclaté, même si c'était un peu niais, c'était génial. Alors évidemment, je referai peut-être un top 10 en mettant cette fois les spin-offs. Mais en attendant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était Aquasis pour cette dernière vidéo de notre Poké Week. J'espère qu'elle vous aura plu autant que moi, elle m'a plu à faire. N'hésitez pas à vous abonner à mon jeu sur Facebook ou Twitter si la vidéo vous a plu, et on se retrouvera comme d'habitude avec nos vidéos habituelles. A plus.